بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. L'imam عبد الرزاق et l'imam الطبراني rapportent que زياد ابن حذير a dit بعثني عمر مصدقا فأمرني أن أخذ من المسلمين من أموالهم إذا اختلفوا بها للتجارة ربع العشر. Ce qui signifie, Omar m'a envoyé pour récolter les aumônes. Il m'a ordonné de prendre des musulmans de leur bien lorsqu'ils l'utilisent pour le commerce le quart du dixième, c'est-à-dire 2,5%. Donc de prendre des choses que les musulmans préparaient à la vente, Omar lui a ordonné de prendre 2,5% de la valeur de ces choses. Donc toute chose que on prépare à la vente, que ce soit des produits alimentaires, que ce soit dans le bâtiment, des maisons ou des immeubles, etc., des terrains dans l'immobilier de manière générale, des voitures, etc., n'importe quelle chose que l'on a préparé à la vente, on doit payer la zaka lorsque ces choses atteignent le nisab. Donc c'est le même nisab que l'on a vu dans la zakat de l'argent, donc de l'or et l'argent. Mais quand je dis l'argent, je veux dire l'argent qu'on utilise, donc ce qui équivaut à la valeur de 20 dinars de l'époque du prophète, 20 dinars d'or. Donc on a vu que ça équivalait à peu près aujourd'hui à 3000 euros en valeur. De toute façon, c'est ce qui équivaut à peu près à 85 grammes d'or. 85 grammes d'or. On voit combien ça coûte dans la valeur courante de l'époque. Et on paye donc la zakat dessus qui est de 2,5%. Et si c'est plus que 85 grammes d'or, bien sûr, la valeur de ce qu'on a, on doit payer la zakat sur tout ce qu'on a. Donc c'est pareil pour urud at-tijara. Urud at-tijara, les choses qu'on a préparées à la vente, on estime leur valeur d'achat, pas leur valeur de vente. Donc sans le bénéfice, la valeur d'achat. Par contre, il faut estimer la valeur d'achat au moment de l'estimation, pas au moment où on a acheté ces choses. Par exemple, on a acheté des produits alimentaires afin de les vendre. Ce produit alimentaire, au moment où on l'a acheté, il coûtait 5 euros. On a prévu de le vendre, par exemple, après un mois. Au moment de la vente, c'est le moment où on doit payer la zakat. À ce moment-là, son prix a augmenté, son prix d'achat a augmenté et il coûte maintenant 20 euros. On doit estimer la valeur de tous les produits qu'on a pour la vente selon cette deuxième valeur, au moment de payer. Donc un mois après, ici. Donc on doit estimer par rapport à chaque produit coûte 20 euros et pas 5 euros comme au moment où on l'a acheté. Le mieux pour payer la zakat, c'est si on a des biens, de l'argent, des euros, on additionne ces euros à la valeur de ce qu'on a préparé pour la zakat. Et si ça dépasse le nisab, on paye la zakat. Si la valeur des produits qu'on a préparés à la vente est sous le nisab, mais qu'on a de l'argent, des euros qui font que cette valeur est plus que le nisab, donc 85 grammes d'or, la valeur de 85 grammes d'or, il est obligatoire de payer la zakat. Et on paye la zakat sur le tout. On paye donc 2,5% de tout ce qu'on a. Il y a une autre question qui est importante. Si on trouve de l'or ou de l'argent, par exemple de l'or ou de l'argent dans une mine d'or ou dans une rivière, etc., comme le font les chercheurs d'or,
Est-ce qu'on doit payer la zakat si la quantité d'or ou d'argent dépasse le nisab? Est-ce qu'on doit payer la zakat au bout d'un an, comme pour la zakat des monnaies courantes, l'euro, etc. Ou est-ce qu'on doit payer directement la zakat? Dans ce cas-là, on paye directement la zakat. Dès qu'on a trouvé l'or, par exemple, et que cette quantité d'or dépasse 85 grammes d'or, on doit payer directement 2,5% de cette quantité d'or. Et on n'attend pas un an, comme pour la monnaie courante qui est utilisée, ou pour les produits que l'on a préparés à la vente, les choses de manière générale que l'on a préparées à la vente. Donc il est important de savoir ça, il ne faut pas attendre un an, on paye directement. Wallahu a'lam.